bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission spéciale que TV Vendée vous propose tout au long de la semaine à l'occasion de la 35e semaine de la presse et des médias dans l'école. Une émission spéciale chaque soir et depuis lundi, vous avez pu découvrir les travaux de différentes classes de 4e du département avec le collège Michel Ragon de Saint-Hilaire-de-Loulet, le collège Clémenceau des Sarrembocages ou encore la MFR de Chaland. Des émissions que vous pouvez revoir en replay sur notre site tvvendée.fr. Dans le cadre de cette semaine de la presse et des médias dans l'école, TV Vendée a travaillé avec des collégiens qui ont dû réaliser des reportages d'actualité, des reportages télévisés. Ils ont dû apprendre les techniques de tournage, de montage, d'écriture. Et ils ont pu également visiter les locaux de TV Vendée. Et donc ce jeudi, nous accueillons dans nos locaux les 4e A du collège de l'Anglais à Saint-Hermine, qui ont été encadrés par leur professeur de français, Céline Sperry, qui nous rejoindra un peu plus tard dans l'émission. Ils ont donc pu découvrir le métier de journaliste, la télévision, et donc, comme je le disais, tourner et monter des sujets sur le thème, l'info, sur tous les fronts. Alors, on reçoit un premier groupe qui va nous présenter dans quelques instants son reportage, donc groupe de la 4e A. Alors, à ma droite et de gauche à droite, on a Timéo, Sacha et Mathis. Bonjour, messieurs. Bonjour. Et à ma gauche, toujours de gauche à droite, Mathis, Noé, Timothée et Léo. Bonjour. Alors, on va revenir un peu sur le déroulement du projet qui a commencé il y a quelques mois. Il a fallu trouver des sujets à traiter. Et donc, votre professeur vous a orienté sur un thème qui était « Quel accès aux activités culturelles et sportives sur la commune de Saint-Hermine ?» Et donc, vous avez décidé d'angler votre sujet sur la politique municipale, la politique de la mairie vers les jeunes et l'accès à la culture et au sport. Alors expliquez-moi et expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, comment vous avez travaillé. On a d'abord décidé en groupe de quelles personnes nous voulions interviewer. Et ensuite, on s'est tourné vers le maire et on a réfléchi à quelques questions qu'on pourrait lui poser sur l'accès à la culture des jeunes dans Saint-Hermine. Et c'est avec lui qu'on a eu le plus de réponses. Donc, vous avez été à la mairie. On a été à la mairie, même ensemble, rencontrer donc le maire de Saint-Hermine, Philippe Barré. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui a été compliqué? Qu'est-ce qui a été intéressant? Qu'est-ce qui en ressort? Ça s'est plutôt bien passé. Il nous a dit des nombres que nous, on ne savait pas forcément, le nombre de jeunes qu'on était à Saint-Hermine. Bon, après, les habitants, on savait, mais du coup, ça s'est très bien passé. Et alors, sur le travail de journaliste, qu'est-ce que vous avez pu apprendre? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour faire les questions, tourner? Bon, il y a eu le montage aujourd'hui, mais qu'est-ce qui a été compliqué, intéressant, moins intéressant? Qu'est-ce qui en sort? Manier les caméras, c'était intéressant, et puis c'était plutôt facile à manier. Un autre? Le fait de monter de différentes façons, parce que, par exemple, entre journaliste et personne qui fait des vidéos sur les réseaux sociaux, je pense que ce n'est pas la même chose. Et du coup, voir comment monte un journaliste, c'est nouveau pour nous. Donc, on apprend plein de trucs aussi. Notre réaction, oui. C'est là aussi que, pour moi, j'ai pu apprendre qu'on faisait des plans de coupe, qu'on ne faisait pas qu'une interview, qu'il y avait énormément de travail derrière d'écriture de la voix off et que c'était pas si facile que ça. Et non, c'est pas si facile que ça. En effet, ça prend du temps et vous avez pu vous en rendre compte donc avec les choix des questions, le tournage, le choix des images, etc. Et vous êtes content du résultat au final? Oui. Eh bien, on va tout de suite regarder ça. On accueillera dans quelques instants un deuxième groupe. Donc voici le premier reportage des 4e A du Collège de l'Anglais à Saint-Hermine sur la politique de la commune de Saint-Hermine envers les jeunes. Regardez. Saint-Hermine est une commune de 3000 habitants, dont 643 jeunes de 11 à 25 ans. On y trouve une soixantaine d'associations, dont 16 associations sportives, une piscine municipale, un cinéma, un espace culturel, plusieurs terrains de sport, ainsi qu'un espace jeune au centre de loisirs. Prochainement, de nouveaux équipements vont voir le jour. Une nouvelle salle de danse gym yoga, mais aussi un espace dédié aux jeunes. On va aussi construire un foyer des jeunes, une maison des jeunes. Donc les travaux devraient commencer cette année, et donc ça devrait se faire à l'espace Richambault. Pourquoi l'espace Richambault? Parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes, ils étaient souvent là-bas. Donc l'idée, c'est d'avoir un lieu où ils peuvent se réunir, mais c'est dans un espace où ils ont l'habitude d'aller. C'est donc ici que prendra place la future maison des jeunes. En 2021, la commune a recruté Louis Bénard en tant que responsable jeunesse.
culture et sport pour faire le lien entre les écoles et les associations. Ils travaillent notamment sur une autre nouveauté pour améliorer la vie des jeunes herminaux. Il y a aussi un point info jeune qu'on va mettre en place justement dans cette maison des jeunes. Donc c'est pareil, c'est en lien avec Louis Bénard. Donc ça va être sur la question de l'orientation, des questions qu'on peut se poser quand on est adolescent. Les activités qui fonctionnent le mieux à Saint-Hermine sont les activités sportives. Mais la commune regorge aussi d'histoire et de culture en tout genre. Quelque chose qui commence à bien fonctionner aussi, alors il faut qu'on aille un petit peu plus loin, c'est tout ce qui concerne l'espace culturel. Parce que là, par exemple, on a aussi une personne au niveau de la mairie de Saint-Hermine qui fait des animations en direction des jeunes des écoles élémentaires. Malgré sa taille, plutôt modeste, la commune de Saint-Hermine propose une offre assez riche qui offre de nombreuses possibilités d'accès à la culture et au sport. Voilà pour ce premier reportage donc, de la classe de 4e du Collège de l'Anglais à Saint-Hermine. On a 8 nouveaux élèves qui nous ont rejoints en plateau, donc un deuxième groupe. À ma droite, nous avons Gwendal, Timéo, Justine et Ilan. Et à ma gauche, on retrouve Nathan, Noah, Gabriel et Quentin. Bonjour à tous. Bonjour. Puisqu'on est ensemble depuis ce matin pour finaliser ces reportages. Alors, vous, toujours donc, sur ce thème de l'accès à la culture et au sport pour les jeunes à Saint-Hermine, vous vous êtes dirigé sur un sujet donc plus précis, l'école de musique à Saint-Hermine. Mais alors, on va peut-être revenir sur le début de l'histoire. Ce n'était pas le sujet que vous aviez envisagé de faire dans un premier temps. Qu'est-ce qui était envisagé d'abord ? On était parti sur le sport à la base, plus précisément le football. Sauf que c'est vrai qu'on a eu des imprévus, donc on s'est redirigé vers l'école de musique. Quel type d'imprévus ? On n'a pas réussi à trouver de personnes pour l'interview. D'accord. Et alors, comment vous êtes dirigé vers l'école de musique ? Qui a eu l'idée ? Pourquoi ? On a vu des gens de notre classe qui faisaient de la musique, et puis du coup on leur a demandé s'ils pouvaient demander à leur professeur qu'on les interviewe. Et alors, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui a été compliqué ? Quel retour vous pouvez faire de la préparation et du tournage de ce reportage ? Moi, j'ai bien aimé découvrir tout ce qui était caméra, comment ça fonctionnait. Et puis, j'ai toujours voulu savoir qu'est-ce qui se passait derrière la télé. Mm-hmm. Donc, j'ai bien aimé. Notre réaction ? C'est vrai que c'était intéressant de savoir comment ça se passait. Ça nous permettait de voir le travail qu'il y avait derrière. Puis ça permet d'apprendre pas mal de choses aussi sur le métier. Alors qu'est-ce que vous avez appris sur le métier ? Peut-être que vous aviez des idées sur le métier de journaliste qui étaient fausses, des choses que vous ne saviez pas. Qu'est-ce que vous avez découvert sur ce métier ? On a appris comment ça marchait une caméra pour filmer. Qu'est-ce qui se passait avant ? On a préparé les questions. Moi, j'ai bien aimé tout ça. Puis après, par exemple, tout ce qui est sur le son, ça nous a permis de voir tout le travail qu'il y avait derrière, le montage. Donc oui, c'était assez intéressant quand même. Alors vous avez pu également aujourd'hui visiter les locaux de TV Vendée, où il n'y a pas que des journalistes, il y a toutes sortes de métiers, que ce soit technique, administratif. Qu'est-ce que là aussi vous avez pu découvrir que vous ne connaissiez pas sur une chaîne de télévision ? Tous les bureaux. Tous les bureaux, les endroits où ils travaillent. Il y a beaucoup de travail. On voit qu'ils travaillent beaucoup dans la semaine. Par exemple, tous les métiers qu'il faut pour réaliser un reportage, donc le son, tous les ingénieurs qu'il faut pour ça, les caméramans, etc. Donc ça nous a permis de découvrir tout ça. Eh bien, moi, ce que je propose de découvrir maintenant, c'est votre reportage donc, sur l'école de musique intercommunale à Saint-Hermine. On regarde ça tout de suite. L'école de musique de Saint-Hermine existe depuis plus de 35 ans. Elle fait partie des 4 sites d'enseignement musical du territoire Sud-Vendée-Littoral. Accessible dès l'âge de 5 ans, elle propose tout style de musique avec 23 instruments enseignés. 55% des élèves ont moins de 18 ans et 21% sont des collégiens. Mais quel instrument attire les plus jeunes ? Sur Saint-Hermine, le site de Saint-Hermine, nous avons, on va dire, 5 groupes d'instruments, essentiellement le piano pour commencer. Après, 11-12% des élèves, toujours les moins de 18 ans, je parle, donc c'est saxophone, guitare, classique et harpe. Après, on a le violon, batterie, flûte traversière, trompette, corps trombone et également les guitares basses, guitare électrique et tuba. Voilà essentiellement pour cette classe d'âge.
L'école de musique propose aussi différents ateliers, chorale, jazz et musique actuelle ou encore orchestre. Les élèves ont aussi la possibilité de se produire devant du public. Des concerts, des spectacles de plus grande envergure qui sont hors les murs. Donc ce qu'on dit hors les murs, c'est sur différentes communes du territoire, avec également des programmes, des spectacles qui se font en lien avec la programmation culturelle. Au-delà de l'apprentissage d'un instrument et des bienfaits de la musique, l'école permet aussi de créer du lien entre les générations. Si l'on prend par exemple parmi les pratiques collectives que l'on a sur nos différents sites, on a aussi les orchestres d'harmonie conventionnés qui sont donc des ensembles qui sont considérés comme des pratiques collectives de l'école de musique, où là on a un mélange de tout âge, donc c'est vraiment ce côté intergénérationnel qui est vraiment très très apprécié et très très important. Certains anciens élèves ont poursuivi leurs études dans la musique pour devenir professionnels. L'école de musique de Saint-Hermine est un bon exemple d'activité culturelle où les jeunes peuvent s'épanouir. Voilà, et donc un des élèves de la classe qu'on a pu voir à la fin de ce reportage en train de jouer de la musique. Voilà pour le reportage sur l'école de musique de Saint-Hermine. Et on accueille le troisième et dernier groupe de cette classe de 4e A du collège de l'Anglais, avec à ma droite Lola, Esteban, Lenny et Timothée. Rebonjour. Bonjour. Et à ma gauche, Alicia, Flavie, Naïssa et Leïla. Bonjour. Alors, vous avez décidé de faire un reportage sur le cinéma de Saint-Hermine, le cinéma qui s'appelle Le Tigre. Alors, déjà, comment vous avez choisi de faire un reportage sur le cinéma? Pourquoi le cinéma Le Tigre? Qui veut parler? Premièrement, parce qu'il n'y avait pas assez de jeunes qui venait au cinéma, et du coup on a décidé de faire un reportage dessus pour qu'on sache un peu les tarifs, enfin là-bas qu'est-ce qu'il y a comme film qui peut y avoir, et pour que plus de jeunes y aillent. Oui, parce que alors, c'est ça qu'on a pu découvrir ensemble en faisant ce reportage, c'est que le cinéma n'arrive pas à attirer les jeunes et ne sait pas comment faire pour attirer les jeunes. On le verra dans le reportage tout à l'heure. Qu'est-ce qui a été compliqué? Qu'est-ce qui vous a plu dans tout le travail pour préparer le reportage, que ce soit pour préparer les questions, pour le tournage? Bon, ce qui m'a plu, c'était intéressant de voir. Ce n'est pas un métier qu'on voit tous les jours, et ce qu'on peut voir est différent que d'autres métiers. C'était une expérience inoubliable, c'est à retenir dans nos mémoires. Qu'est-ce qui t'a marqué plus particulièrement? La complexité de faire les montages, la complexité pour prendre les bons clichés de vidéo, les bons angles. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, Naïssa? J'ai bien aimé quand on a retouché à l'interview. Mm-hmm. J'ai bien aimé ça aussi, et ça a aussi permis qu'il y avait beaucoup de métiers et il n'y en avait pas qu'un seul. Mm-hmm. Et c'est bien, on a eu de la chance. Quel métier, par exemple, tu as découvert, tu ne pensais pas qu'il y avait dans une chaîne de télé? C'est des noms difficiles et que je n'ai pas trop retenu. Alors. Mais qui font quoi? Y a l'intervieweur qui interview. Mm-hmm. Il y a ceux qui retouchent les interviews. Mm-hmm. Alors sur la visite de TV Vendée aujourd'hui, parce que comme vos collègues, hein, vous avez pu voir un peu tous les métiers et tout ce qui se passe dans une chaîne de télé, qu'est-ce que vous en retenez? C'était, comme j'avais dit, c'était intéressant et inoubliable. C'est une belle journée qu'on a vécue. On a fait... plein de choses, on a vu plein de choses, la complexité, on a vu la salle de maquillage. Mm-hmm. On a vu le matériel aussi. Mm-hmm. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de matériel pour un seul reportage. Et alors le fait d'être sur un plateau de télé, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous impressionne? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi ça m'impressionne, et ça me fait penser aussi au petit quotidien qu'on va passer à la télé aussi, et mm-hmm. Je trouve ça bien. D'accord. Et alors est-ce que vous êtes content de votre reportage, du résultat final qu'on va voir dans quelques instants? Oui, pour moi, je suis content, je suis satisfait, je suis heureux. Très bien. Je ne pensais pas que ça aurait donné un aussi bon résultat. Très bien. Et bien, maintenant, on va laisser les téléspectateurs en juger, puisqu'on va donc regarder ce reportage sur le cinéma Le Tigre à Saint-Hermine. Créé en 1948, le cinéma Le Tigre à Saint-Hermine peut accueillir jusqu'à 170 spectateurs. Il est géré par l'association du Tigre et propose des films pour tous les publics. C'est un cinéma d'art et d'essai. Donc, on a beaucoup de films sur des locaux, des vies du pays, des intérêts artistiques. C'est aussi un cinéma d'école et cinéma, c'est-à-dire qu'on a
des scolaires qui viennent à partir de l'âge de 3 ans. Il y a des journées exprès pour eux, des films exprès pour eux. Et après, le cinéma lui-même a des films modernes, enfin plus récents, pour les enfants. Le public de ce cinéma, situé place de l'église, est surtout composé de personnes âgées. Les jeunes se font assez rares sur les sièges rouges de la salle, malgré une programmation adaptée et des événements spéciaux. Il y a déjà tous les scolaires qui viennent. Ça leur apprend que le cinéma existe. Ça leur montre que la salle est sympa et qu'ils peuvent venir en dehors des scolaires. Et en dehors des scolaires, il y a les programmes, il y a tous les films qui passent dans toute la France, qui passent aussi ici, qui sont pour tous les âges. Il y a des journées pour Noël, pour les jours de fête. Il y a des heures spécifiques pour eux, vers 14 heures, qu'ils puissent venir. Et on aimerait bien qu'ils soient plus nombreux. Le Tigre est géré par des bénévoles. Ils sont 35 et ils s'interrogent sur les raisons d'un si faible nombre de jeunes parmi les spectateurs. Et on aimerait bien que les jeunes nous disent pourquoi ils ne viennent pas. Parce qu'il y a quand même des films, il y a des films, des thèmes spéciaux du monde rural, des thèmes à Noël, des films qu'on prend exprès pour eux. Il y a même des écoles qui nous demandent de passer des films. On passe ces films et pour quand les écoliers ne viennent pas pour autant. Et c'est, si vous avez des idées, on est tout prêt à écouter. Le prix des places est de 6 euros pour les adultes et de 4 euros pour les moins de 14 ans. Une carte de fidélité est proposée pour obtenir une séance gratuite après 5 séances. Le Tigre accueille également des conférences et des pièces de théâtre. Voilà donc pour ce troisième et dernier reportage de la classe de 4e A du Collège de l'Anglais. Le groupe est resté autour de la table, donc bravo pour ce reportage. Bravo également aux deux autres groupes pour les deux autres sujets. Donc votre professeur de français, Céline Spiri, nous a rejoint. Bonjour. Vous me disiez là, juste avant de vous installer, que vous étiez plus impressionné encore que vos élèves d'être ici. Ben, d'une certaine manière, moi je les trouve très, très à l'aise, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Mais voilà, je les félicite hein, pour leur prestance en plateau. Et qu'est-ce qui vous a motivé à les lancer dans ce projet d'éducation aux médias ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que l'éducation aux médias fait partie de l'étude du français en classe de 4e. Ensuite, au Collège de l'Anglais, on est un petit peu enclavé. Donc ce projet, c'était une chance un petit peu unique de les ouvrir vers des métiers un secteur d'activité qu'ils ne connaissent pas. Aller vers l'inconnu, se dépasser, travailler en groupe. Voilà. Donc, je pense qu'ils cochent toutes les cases. Et donc, vous les avez guidés vers ce thème hein, de l'accès à la culture et aux activités sportives pour les jeunes dans une commune rurale. Pourquoi ce thème ? Parce que tous les élèves du Collège de l'Anglais n'ont pas cette chance d'avoir une ouverture culturelle. Donc, au moins pour cette classe, et d'ailleurs, ils l'ont exprimé, c'était une occasion rêvée de leur permettre de voir ailleurs, de dépasser un petit peu le champ de leur connaissance et peut-être faire naître des vocations, qui sait. Peut-être. Quel bilan vous tirez de tout ce projet, vous qui les avez accompagnés là en classe pour préparer les reportages, caler les rendez-vous avec les personnes à interviewer? Vous étiez également au tournage, aujourd'hui au montage. Vous avez vu le résultat aujourd'hui en diffusion. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon bilan, il est extrêmement positif parce que des élèves qui, par ailleurs, ne se réalisent pas forcément dans le cadre scolaire, peuvent montrer ce dont ils sont capables en dehors, sur des projets comme celui-ci. Et ça a été le cas. Des élèves qui sont pas forcément en succès à l'école le montrent dans l'élaboration des projets comme celui-ci. Donc je les félicite, évidemment. Voilà. Et puis ils ont fait preuve de compétences comme évidemment l'oral, mais aussi l'écriture à travers l'écriture des reportages, le travail d'équipe, le montage, l'écoute de l'autre. Donc autant de compétences qui, dans le champ scolaire, parfois les rebutent et mis en place autrement, ben, se trouvent être quelque chose qu'ils réalisent facilement et avec aisance. Eh ben, je vous félicite encore toutes et tous pour tout ce travail, jusqu'à votre présence et votre participation ici sur le plateau de l'émission. Il reste encore une émission spéciale à retrouver ce vendredi dans le cadre de cette semaine de la presse et des médias dans l'école. Ce sera donc ce vendredi avec le collège des Sicardières de Lidieu à Port-Joinville et qui est classe qui est accompagnée par Caroline Tronche. À très bientôt sur TV Vendée.